Bonjour chers auditeurs, je suis votre aimable enseignant de la langue Tivili, Yabayon, du groupe Ticol qui existe aussi bien dans WhatsApp que dans YouTube. La dernière fois, je vous ai présenté les 7 jours de la semaine. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter les 12 mois de l'année en Tivili. D'entrée de jeu, je vous dis que l'année en Tivili, c'est on vous. On vous. Le mois, c'est Ngondi. Ngondi. Le premier mois de l'année, c'est janvier. Et janvier se traduit par Lubik. Lubik. Le deuxième mois, c'est février. Février se traduit par Mwand. Mwand. Le troisième mois, c'est mars. Mars, c'est Ndolonkasi. Ndolonkasi. Après mars, nous avons avril. Avril, c'est Ndolonnuni. Ndolonnuni. Après avril, c'est mai. Mai se traduit par Mouwalal. Mouwalal. Après mai, nous avons juin. Juin se traduit par Umbuklu Massimo Vol. Umbuklu Massimo Vol. Après juin, nous avons juillet. Juillet, c'est Umbuklu Massimo Mbu. Umbuklu Massimo Mbu. Après juillet, nous avons août. Août, c'est Mubunji Mubunji. Mubunji Mubunji. Après août, nous avons septembre. Septembre, c'est Kouful. J'aimerais vous dire que Kufula se traduit en Tivili par fleurir. Et c'est pendant ce mois que la plupart des arbres fleurissent. Donc ce n'est pas par hasard qu'on a donné le mois de Kufula. Après septembre, nous avons octobre. Et octobre se traduit en Tivili par Koussaf. Koussaf. Après octobre, nous avons novembre. Novembre se traduit en Tivili par Ntombe. Ntombe. Après novembre, nous avons le dernier mois qui est décembre. Et décembre se traduit par Mangle. Mangle. Voilà, chers auditeurs, les 12 mois de l'année présentés en Tivili. Merci beaucoup. À nous revoir. À la prochaine. Merci. Un toi tout quoi, non, quoi, t'es-tu, quoi, son bouquet? Un toi tout quoi, non, quoi.